Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce bonnet vitamine, donc qui est vraiment un bonnet très coloré, bien acidulé. Et vraiment, moi, comment dire, j'adore ces couleurs, j'ai adoré les couleurs et j'avais envie d'un projet qui, je sais pas, bah, change un petit peu et avec des couleurs un petit peu flashy. Donc, du coup, je l'ai travaillé avec. Bien sûr, ces quatre couleurs. C'est un projet qui peut être aussi pas mal pour, comment dire ça, pour finir un petit peu vos pelotes. Vraiment, moi là, j'ai pris des couleurs qui me restaient. Souvent, il me reste une pelote ou il me reste pas beaucoup, beaucoup de fil. Et du coup, je sais pas vraiment qu'en faire. Donc là, j'ai réussi à trouver cet accord de couleurs qui me plaisait vraiment beaucoup. Et j'ai du coup pas utilisé beaucoup de laine non plus hein, pour pouvoir faire ce joli bonnet. Voilà, donc je vais pas vraiment pouvoir vous donner une marque de laine précise parce qu'en fait chacune d'entre elles est une marque différente. La seule chose que je vais vous conseiller, c'est de prendre des fils qui vont s'accorder en termes de grosseur, c'est-à-dire que c'est tout. Alors, ces quatre pelotes là, c'est du fil acrylique. Pour les quatre, c'est souvent ce que j'achète ou ce que j'ai en stock. Et voilà, ils ont tous à peu près la même grosseur, c'est-à-dire que ça se travaille avec un crochet 3,5-4. Donc là, par exemple, le noir, je sais que c'est la marque Ruby. Je pourrais vous mettre quand même des liens en barre d'infos hein, si vous le souhaitez. Le jaune, honnêtement, je n'ai absolument aucune idée de la marque que c'est, mais ce sont des fils qui sont à peu près toujours équivalents. Là, c'est de la laine violette, c'est Pingo First, de la laine pingouin. Ça, je pense que c'est de la laine écophile que j'avais acheté à un moment donné. Donc finalement, dans chaque marque de laine, vous avez un fil acrylique basique, on va dire, qui se travaille en 3,5-4. Donc c'est à peu près ce type de fil que je vous conseille d'utiliser. Si vous avez la même référence de laine, pourquoi pas, mais vraiment, là, moi, j'ai pas vu la différence et on voit pas du tout non plus la différence hein, sur votre ouvrage. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir une couleur neutre. Donc moi j'ai pris le noir parce que du coup je trouve que ça faisait vraiment ressortir ces couleurs assez vives. Donc une couleur quand même passe-partout, on va dire noir ou blanc ou peut-être un beige ou un gris, hein, quelque chose d'assez soft. Et après du coup vous pourrez choisir des couleurs si vous le souhaitez bien sûr, comme moi, des couleurs qui pepsent un petit peu, qui flashent. Et du coup, cette couleur neutre va permettre finalement de les faire ressortir. Voilà. Donc j'ai utilisé moins d'une pelote de chaque, bien sûr. Hein, vous voyez encore tout ce qui reste. Donc ce sont des pelotes en général de 120 à 150 mètres, quelque chose comme ça. Donc comme je vous disais, c'est vraiment parfait si vous avez quelques bouts de pelote dans vos tiroirs, vous pourrez les utiliser pour ce joli projet. Maintenant que j'ai terminé le bonnet, je pense aussi que je vous présenterai dans les semaines qui viennent un châle qui va avec parce que vraiment j'ai adoré travailler ce projet et je voudrais donc compléter le bonnet et faire un set avec le châle qui va avec. Voilà. Donc pour ce projet, vous aurez besoin donc de vos quatre couleurs de laine. Alors, j'insiste sur les quatre, une couleur neutre et trois, vraiment trois couleurs, parce que du coup, ce bonnet, il est travaillé en différentes sections. Hein, vous voyez que j'ai pas fait un rang de jaune, un rang de violet, un rang de bleu. J'ai vraiment travaillé mon bonnet en plusieurs sections pour avoir un effet un peu géométrique aussi et que le rendu soit très joli et travaillé hein, autour de votre tête. Donc, il va être important de travailler avec trois couleurs pour respecter les séquences et les consignes que je vais vous donner. Voilà, ce sont des brides principalement, donc c'est un projet qui est quand même accessible, je pense, à tout le monde. Après, il y a une petite difficulté technique et encore, c'est quand même accessible. C'est simplement qu'on va quand même travailler les quatre fils ensemble. Donc, il faudra juste vous concentrer, prendre le temps de le faire. Voilà. Donc, vous aurez besoin de votre laine, vous aurez besoin d'un crochet 4,5, d'un petit ciseau et j'ai utilisé également une petite aiguille
ou un passe-laine vraiment pour faire la finition et pour pouvoir rentrer vos fils. Voilà. C'est un modèle qui se porte un petit peu, comment dire, large, hein, qui va tomber un petit peu à l'arrière. Je vous indiquerai tout à l'heure dans le tuto si vous souhaitez le faire un petit peu plus court, du coup, comment l'adapter à ce que vous souhaiterez. Voilà. On est parti. Go pour le tuto. Alors, donc pour débuter ce bonnet, on va commencer par faire la bande élastique qui correspond ici au tour de tête. Voilà. Donc, on va faire un point élastique tout simple. Hein, vraiment, on va travailler en maille serrée dans le brin arrière de chaque maille pour pouvoir obtenir donc ce relief et l'élasticité du point. Donc, pour ceux et celles qui seraient moins à l'aise, donc je vais prendre là un fil bleu vraiment pour vous montrer où est-ce que je pique. Comment je travaille les mailles, mais sinon bien sûr donc j'ai travaillé cette bande avec mon fil noir. Donc vous allez commencer par le fil neutre en fait hein, que vous avez choisi. La couleur neutre, ça peut être du noir, du blanc, du gris, enfin ça peut être toutes les couleurs, mais en tout cas vraiment celle qui va être de transition et qui va permettre aux autres couleurs que vous avez choisies finalement de bien ressortir. Donc, pour cette bande élastique, on va travailler 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Dans la seconde, 1 et 2, on va venir faire une maille serrée. Et du coup, vous allez travailler une maille serrée dans chaque maille de votre petite chaînette. Donc, on obtiendra bien à la fin 9 mailles serrées. Voilà. Voici ce que vous obtiendrez. Une maille en l'air et on tourne. À partir de là, on va venir continuer donc le travail en maille serrée, mais en piquant dans le brin arrière de chaque maille. Donc, pour ceux et celles qui seraient moins à l'aise ou qui n'auraient pas trop l'habitude de ça, je vais vous le montrer quand même. Sinon, si vous crochetez, vous avez l'habitude de faire des bonnets. C'est vrai que c'est tout simple, hein. On commence souvent les bonnets par comment dire, ce point élastique. Donc, pour celles qui ne connaissent pas ça, on va venir travailler en fait simplement dans l'un des deux brins de la maille du rang précédent. Si on travaillait normalement, on viendrait ici et on passerait le crochet sous la maille. Et vous voyez bien qu'il y a deux brins. Ici un premier fil, ici un second fil. Ça fait comme un petit épi, comme un petit grain de café. Donc ce qu'on veut, c'est pas prendre justement ces deux brins. Donc au lieu de travailler ici, on va relever un peu le travail et venir placer le crochet finalement à l'intérieur de notre épi, au milieu, et prendre simplement ce brin-là. Et venir travailler la maille serrée normalement, mais en fait simplement en s'accrochant au brin arrière. Donc on va continuer comme ça, en travaillant dans le brin arrière de chacune des mailles et en faisant une maille serrée. Donc vous aurez bien à la fin de chacun de vos rangs 9 mailles serrées, sauf qu'à partir de là, elles seront travaillées du coup dans le brin arrière. Ce qui fait, si vous voulez, que ça crée, attention la dernière, hein, on fait pareil, hop, elle est là. Ça va créer, si vous voulez, ce relief, hein, qui permet d'imiter en fait un peu les côtes 1-1 aussi au tricot, et qui sont vraiment bien adaptées pour le tour de tête d'un bonnet, hein. C'est vraiment parfait ce point. Une maille en l'air et je continue. Donc dans cette toute première maille, je travaille dans le brin arrière. Donc vous allez continuer comme ça sur le nombre de rangs qui sera nécessaire pour faire le tour de votre tête. En faisant attention bien sûr que du coup ce point est élastique. Donc, il ne faut pas trop tirer dessus, mais il faut quand même quelque chose d'assez serré autour de votre tête. Sinon, la laine après va se détendre une fois que vous allez le porter quelques fois. Et puis, du coup, ça tiendra plus du tout à votre tête. Donc, on va continuer comme ça. On va monter le nombre de rangs nécessaires. Donc, moi, je vous conseille 63 rangs. Ça va vous faire à peu près un tour de tête standard. On a besoin vraiment de ce nombre de rangs précisément, puisque ça va conditionner en fait
les mailles hein, pour la suite du bonnet et pour le travail de comment dire, avec les couleurs, le travail de section pour chacune des couleurs. Voilà. Donc, si 63 rangs pour vous, ça fait quelque chose de trop large ici, hein, du coup, faites-en 59 ou restez bien sur ce nombre multiple de 3. Voilà. Donc, une fois que vous aurez avancé, ça va vous donner donc ce type de bande. Voilà. Donc, avec le relief. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, on va recompter, je vais recompter les rangs pour être sûr que c'est bon pour moi. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, et voici 63. Donc une fois que vous êtes arrivé là, ce qu'on va faire, alors je vais retirer un peu du fil parce que je ne vais pas m'en sortir si j'ai trop de pelote sur la table. Donc ce qu'on va faire, vous allez venir plier votre bande en deux en faisant attention que ce soit bien plat bien sûr. Et on va venir attacher donc les deux bandes ensemble. On va travailler. Alors là, j'ai face à moi le dernier rang que j'ai fait. Donc là, de ce côté-là, je vais venir à chaque fois attraper encore une fois le brin arrière. Ici. Je vais aller donc sur la bande d'en face, prendre la maille qui correspond. Et simplement faire une maille coulée. Voilà. Donc on va faire ce travail-là en symétrie, bien sûr. On va venir attacher nos 9 mailles de cette manière-là. Donc je prends sur la bande que j'ai face à moi le brin arrière et je passe en face dans l'autre côté de ma bande et je fais une maille coulée. Et voici donc ma bande qui est attachée et fermée. Voilà. Donc maintenant, on va travailler le corps du bonnet et on va commencer. Je vais le mettre comme ça. On va commencer donc ce travail avec les couleurs. Donc on va travailler tout droit, c'est-à-dire sans augmentation ni diminution ni quoi que ce soit, pendant un certain nombre de rangs. Ce qui correspond vraiment au tour de tête, à la partie large de la tête. Et puis ensuite, on fera donc des diminutions pour resserrer le haut du bonnet. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment du coup travailler ces sections avec les couleurs. Alors, avant de commencer avec la couleur, on va simplement faire un petit rang préparatoire donc pour notre travail, pour solidifier notre bonnet. Et que visuellement du coup ce soit propre, on va faire un rang de mailles serrées. Donc on va venir faire une maille serrée sur chaque dans chaque rang en fait qu'on a fait au rang précédent. Donc entre les deux reliefs là, on va placer deux mailles serrées en fait, une ici et une ici. Je vais vous montrer ça. Donc bien sûr à la fin on devra obtenir 63 mailles serrées ou 59 ou comme je vous ai dit un multiple de 3 hein, pour après pouvoir travailler nos sections. Donc je vais venir dans ce tout premier rang, donc on peut écarter un petit peu, là j'ai un relief là aussi, là j'ai ce rang là, donc je passe mon crochet ici et une maille serrée. Là on pourrait passer dans l'espace tout de suite ici, comme il n'y a qu'un seul brin, moi je trouve que c'est pas très solide, je vais aller un petit peu en dessous, je passe mon crochet. Et je vais faire une maille serrée. Donc ainsi de suite, dans chaque rang, hop, là je repasse en dessous, j'en ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vous remontre, là je passe ici, par exemple, 12. 13, 14, on va se retrouver à la fin de ce rang.
Ok, donc j'ai fait ma 63e maille serrée donc ici. Je n'ai pas encore uni hein, mon rang à la première maille puisqu'on va commencer à travailler en couleurs. Au niveau des couleurs, à chaque fois qu'on va changer entre deux couleurs, peu importe lesquelles, on va toujours faire d'une certaine manière pour que les jonctions ne se voient pas et soient vraiment très discrète. Donc là, avant de terminer, je vais unir finalement avec la couleur d'après. Donc on va commencer ce premier rang de brides. Donc au niveau des couleurs, ce sont que des brides hein, que j'ai faites. Simplement, on va travailler en fait en plusieurs sections. Donc on va travailler sur des sections sur trois sections de 21 mailles à chaque fois. Donc là, vous voyez, vous avez la section jaune, ensuite on a le bleu et ensuite le violet. Et du coup, tout le tour, hein, ça respecte cette section-là. Donc, on va commencer par le jaune. On fait un rang de couleurs. Jaune, bleu, violet. C'est le choix de couleur que j'ai fait moi. Un rang de noir, tout simple, pour finalement, en fait, mettre en lumière les couleurs. Et ensuite, on va refaire un rang de couleurs. Mais vous voyez que du coup, ça se décale. Là, on va commencer par une autre couleur, par le jaune. Par le violet, pardon. Jaune et ensuite bleu, un rang de noir et ensuite on va faire cette troisième section où on va commencer par la troisième couleur, donc par le bleu. Voilà, donc on va travailler sur des sections de 21 mailles et sur une séquence, on va dire, de trois rangs de couleurs pour que chacune d'elles ait sa place et qu'on commence en fait le rang par l'une après l'autre. Voilà, j'espère que ce sera à peu près clair. Bon, je vais vous montrer bien sûr tout ça. Ok, donc on va prendre la première couleur. Donc pour moi, c'est le jaune. Je vais à chaque fois que je vais accrocher un fil, laisser on va dire une dizaine de centimètres hein, pour après pouvoir faire les nœuds proprement et ranger le fil. On va travailler tous les fils en même temps. Donc en fait, il n'y aura pas de, comment dire, on va pas les couper au fur et à mesure. Ça fera quelque chose de plus solide. Pas de panique avec ça, il faudra juste simplement vous organiser. Je vais vous dire comment le faire. Donc pour terminer ce rang, je vais venir donc dans la première maille serrée que j'avais faite ici. Je passe mon fil. Donc au lieu d'attraper mon fil noir, en fait, j'attrape mon fil jaune. Et je viens faire une maille coulée pour terminer mon rang. Voilà. On va commencer donc par trois mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et on va venir travailler donc dans ces mailles serrées qu'on vient de faire. On va en faire donc en tout, comme je vous ai dit, c'est 21 de chaque couleur. Donc ici, les trois mailles en l'air comptent, donc j'en ai déjà 4. Et on va s'arrêter à l'avant-dernière pour pouvoir après changer de couleur proprement. Donc 2, 4, 5, 6, 7... 8, donc c'est vraiment une bride hein, dans chaque maille, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc je serai arrivée à mon avant-dernière. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc on va venir prendre la couleur d'après pour moi, donc qui est ce joli bleu. Donc pareil, je vais prendre une 10, 12 cm. Je vais commencer ma dernière bride en jaune sans la terminer. Et je vais venir accrocher mon fil bleu, en fait, en terminant la bride avec ce fil bleu. Voilà. On va venir ensuite, donc là, en fait, je sépare bien mes fils, hein, voyez. Et je vais passer le jaune sur ma droite. Puisqu'on ne va plus travailler avec lui. Avant deux tours en fait, donc je le mets sur le côté. Je reprends mon travail avec le bleu,
Donc, je vais prendre ma deuxième section. Je vais faire 20 brides. 3, 4. Vous voyez comme ça fait propre. Hein. Du coup, entre les deux, on ne voit pas du tout la différence ni de démarcation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc j'amorce ma 21e, je ne la termine pas. Je mets le fil bleu sur le côté et je prends ma troisième couleur qui est donc le violet. Je laisse un petit peu de jeu et je termine cette dernière bride bleue avec mon fil violet. Et on termine, on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2. 18, 20, 21. Donc là, j'ai placé la dernière ici. Voilà. On peut retirer un peu sur les fils de démarrage. Voilà. Donc je termine pas cette bride violette. Je mets le fil de côté et je vais venir chercher donc le fil qui était déjà sur mon travail, qui est attaché à ma pelote noire qui est ici, et je vais venir terminer cette bride avec le noir et terminer le rang avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Voilà ce que vous obtiendrez. Ensuite, pour le rang 2, donc j'ai mes trois pelotes de couleur sur ma droite et mon fil noir sur la gauche. Donc ici, on va venir travailler tout simplement, donc là c'est un rang intermédiaire, on va venir travailler une bride sur chaque bride, tout le rang en noir, tout simplement. Je vous conseille quand même, pour être sûr, de bien recompter à la fin de votre rang, vous avez bien vos 63 brides noires. Et je vais vous montrer du coup la seconde séquence sur le rang d'après au niveau des couleurs. Donc je viens de terminer mon deuxième rang et en faisant bien donc 63 brides en noir. Donc on va venir récupérer pour le deuxième rang de couleurs le fil violet. Et donc terminé en faisant une maille coulée, donc je vais dans la troisième maille en l'air ici de mon début de rang, j'attrape mon fil violet, donc en fait je le fais monter là derrière, je le plaque derrière mon travail, je le fais monter d'un rang en fait, voilà, hop, et je vais terminer par une maille coulée, voilà.
Donc, avant que ce soit trop le bazar, je remets en place mes fils. Donc, le noir, j'ai l'habitude de le laisser de ce côté. Et je vais venir dans l'autre sens récupérer ma pelote violette qui a eu le temps de s'emmêler un petit peu. Alors, ça s'est emmêlé parce que du coup, j'ai fait plusieurs vérifications. Sinon, comme on travaille vraiment en rond, vous verrez qu'en fait, ça s'emmêle pas vraiment. Voilà. Voilà mon fil violet. Donc, je vais reprendre exactement la même chose et la même séquence que tout à l'heure. 3 mailles en l'air pour une première bride. Et je vais venir travailler ma séquence de 21 brides violettes en faisant attention de terminer donc la dernière avec la couleur suivante. Je fais ma 21e sans terminer et je vais venir récupérer ici donc le fil jaune. Puisque du coup on cherche à chaque fois à intervertir. Hein. Donc là je veux pas du bleu sur du bleu. Donc je vais venir prendre mon fil jaune qui en plus, comme par magie, se trouve juste ici. Je le mets sur ma gauche. Je le plaque derrière mon travail pour le faire monter de deux rangs. Et je vais venir terminer ma bride avec ce fil jaune. Je prends le violet que je remets de côté. Voilà. Et je le passe aussi comme ça de ce côté-là. Et on est reparti pour 21 brides en jaune. Alors, 2, 4, 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Donc, sur la 21e, on la termine pas. Et on va venir, du coup, récupérer notre fil bleu. Qui est ici. Le plaquer pour le faire monter et on termine cette bride avec du fil bleu. Je passe le fil jaune sur le côté et on va terminer donc ce rang en bleu. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, on va venir mettre le fil bleu de côté et récupérer le fil noir pour terminer notre bride, faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ de notre rang. Ok. Donc là, vous avez compris, on va venir faire un rang de brides en noir tout ça, donc 3 mailles en l'air, qui comptent toujours comme une maille, donc dans la suivante, une bride, ainsi que du coup, tout ce rang, une bride sur une bride, et recomptez bien qu'à la fin, vous avez bien vos 63 mailles. Arrivé ici, on va terminer le rang par une maille coulée en récupérant donc la couleur qu'on souhaite pour terminer le rang. Voilà. Donc, on va maintenant donc finir ce dernier rang pour la séquence de couleurs. Donc, vous voyez bien que là, j'ai fait du jaune pour débuter, du violet. Donc là, on va commencer par le bleu. Donc, c'est ce qui permet aussi, si vous voulez, de ne pas avoir à couper les fils au fur et à mesure.
puisqu'en fait la couleur elle tourne avec l'ouvrage. Hein, là on voit bien, du coup on a le violet, hop, il monte ici. Là on termine par le bleu, hop, il va monter ici. Donc c'est ce qui permet de ne pas être obligé de couper les fils à chaque fois, puisque du coup ça, ben, ça se fait tout seul hein, finalement. Alors si vous préférez couper les fils et les rentrer après, c'est possible aussi. La finition sera moins propre, hein, je pense. Moi j'ai pas essayé, hein, j'ai fait directement de cette manière-là. Voilà. Donc pour ce troisième rang de couleurs, vous allez continuer exactement de la même manière. Donc je vais débuter par 3 mailles en l'air et je vais faire du coup mes 20 brides bleues. Je vais amorcer la 21e et la finir avec le fil jaune qui... avec le fil violet, pardon, qui se trouve ici. Voilà, donc comme on a fait, vous continuez 20 brides en violet, la 21e, on va la terminer du coup et travailler à partir de là avec le fil jaune. Voilà. Une fois que vous serez arrivé au bout du rang, on va faire bien sûr encore un rang en noir. Alors, je vais essayer de vous montrer ça directement sur le bonnet. Voilà, donc vous en serez ici, on aura fait, comme je vous disais, cette première séquence où on alterne nos trois couleurs. Voilà. Donc vous allez reproduire la même chose, encore une autre séquence. Donc vous voyez, après j'ai repris, on redébute avec le jaune, ensuite le violet et ensuite le bleu. Donc on va faire deux fois cette séquence de couleurs, sans diminution, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va réaliser un rang du coup en noir. Je vous remonte pas rang par rang puisque c'est exactement la même chose. Hein. Il faut juste faire attention du coup aux couleurs. Et encore, comme elle tourne, comme je disais avec l'ouvrage, ben, en fait, si vous avez un doute, le fil disponible sera la couleur suivante hein, finalement. Donc on terminera encore avec un rang de noir. On reprendra une dernière séquence, donc jaune, violet, bleu. Sauf que on va quand même commencer les diminutions. Donc vous allez faire ce premier rang de couleurs normalement, encore un rang de noir, et le second rang de couleurs également, donc pour moi qui commence par le violet, normalement. Ensuite, je vais vous montrer pour ces trois derniers rangs les diminutions qu'on va faire pour pouvoir resserrer notre bonnet. Donc, si je me répète, on a trois rangs, une première séquence, trois rangs de couleurs, et une deuxième tout à fait normale. Ensuite, vous allez faire ces deux premiers rangs de couleurs, deux premières séquences, normalement. Et ensuite, déjà au rang noir suivant, on va commencer les diminutions. Ok, donc pour les diminutions, je vais vous dire quand même peut-être sur le nombre de rangs, parce que pour moi c'est très clair tout ce que je raconte, mais je vous dis que peut-être pour vous ça ne l'est pas. Donc si je compte les mailles serrées, ça fait le premier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 rangs normaux. Et après on va travailler en diminution. Donc je suis sur un rang avec ma couleur neutre. Donc j'ai débuté très simplement avec mes trois mailles en l'air. Donc à partir de là, on va simplement venir travailler les brides deux par deux. On va les rabattre ensemble pour à chaque fois diminuer d'une maille. Donc je fais une première bride que je ne termine pas. Je vais dans la maille suivante, une deuxième bride sans terminer. J'en suis là. Donc j'ai trois brins sur mon crochet et je fais un jeté. Je passe à travers toutes les boucles. La maille suivante, une bride sans terminer. Un jeté, je passe dans la maille d'après. Une bride sans terminer. Un jeté, je passe à travers les trois boucles. Et on va venir resserrer ainsi le travail. Donc on va rabattre les brides deux par deux. Hop. Dans la maille d'après, une bride sans terminer. Maille suivante, une bride sans terminer. Un jeté, je passe à travers mes trois boucles. Et on va travailler ainsi tout ce rang. Comme je vous disais, en fait, on travaille les brides deux par deux. Et on les rabat ensemble deux par deux. J'ai commencé les diminutions sur un rang
de couleur neutre. Donc pour moi, c'est avec le noir, ça se voit moins. Mais c'était plus simple. Pour ne pas après se mélanger avec les couleurs. Et puis, on arrive à une dimension du bonnet qui est suffisante, bien sûr. Donc, j'ai voulu un bonnet qui était, comment dire, à la fois proche de la tête, mais un petit peu plus large, qui tombe un petit peu à l'arrière. C'est vrai que si vous voulez un bonnet plus, comment dire, plus près de la tête, vous pouvez peut-être commencer les diminutions sur le rang de couleur neutre d'avant. À vous de voir. Après, il faut quand même garder cette séquence avec les couleurs hein, pour que ça garde une harmonie. Voilà, donc je continue ce travail de diminution sur tout mon rang. Je vais terminer mon rang par une bride seule. Voilà. Et venir terminer par une maille coulée en attrapant donc le fil de la couleur suivante comme on a fait tout le long du bonnet pour venir travailler ce rang suivant en couleur. Alors je suis désolée là du coup le fil s'en mêle un petit peu puisque je les ai coupés. Voilà. Donc on va venir continuer à travailler comme on a fait du début, mais on va continuer à rabattre les mailles 2 à 2, donc avec notre couleur. 3 mailles en l'air pour débuter, et je vais venir travailler les deux prochaines mailles ensemble. Donc je refais exactement la même chose que sur le rang précédent, avec ma couleur bleue. Voyez, là il me reste une maille avant de changer de couleur, donc je vais la faire toute seule, une bride normale sans terminer, et je vais venir récupérer ma couleur d'après pour terminer cette bride. Voilà, et je repars en rabattant mes brides 2 à 2 avec mon fil violet. Jusqu'à arriver bien sûr à la prochaine section. Donc là, nous y sommes. On va terminer par une bride toute seule qu'on va venir finir avec le fil pour moi qui est jaune, la couleur d'après. Et je passe mon petit fil de l'autre côté. Et je reprends tout de suite à travailler les brides 2 à 2. Pour mes diminutions. Oups. Attendez, j'en fais 3. Hop. En rabattant toujours mes brides. Et voici. Donc, on va terminer, comme pour les autres, par une bride toute seule, que je ne termine pas. Je passe mon fil comme ceci et je vais récupérer donc mon fil noir. Je termine ma bride avec et je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Hop, et voici.
on va finir le bonnet par un dernier rang en noir. Donc là, si c'est plus simple, on va peut-être... Vous pouvez couper les fils de couleur et on va venir les attraper à l'intérieur du bonnet pour voilà, pouvoir finir le bonnet tranquillement sans les fils qui vont nous gêner plus qu'autre chose. Donc on va continuer, bien sûr, toujours pareil, deux brides rabattues ensemble avec la couleur principale. On a commencé par le noir, donc on va terminer par le noir. Et voici, je suis déjà presque au bout. Alors c'est vrai que comme on travaille 2 à 2, 10 minutes, une maille sur 2, ça va assez vite. On va terminer le rang par une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on avait faite au départ. Voilà. Vous allez pouvoir couper votre fil. Donc là, je vous conseille de laisser quand même un petit... une petite distance de sécurité parce qu'on va quand même resserrer ce petit anneau là qui reste. Donc laisser, voilà, moi j'ai laissé peut-être deux longueurs de main de fil. Et je vais venir faire un premier nœud. Donc je fais un jeté puis je tire. Je resserre. Et voilà ce que nous avons, vous voyez, en haut de notre bonnet. Donc on a pu resserrer tout en maintenant notre séquence de couleurs. Alors, à partir de là, donc il va y avoir différentes options. La plus simple pour pouvoir resserrer ce petit cercle. Alors, si vous voulez finir votre bonnet avec un pompon, on pourrait tout à fait, donc il n'y aurait pas vraiment besoin de fermer ici hein, ce petit creux. Vous pourriez coudre votre pompon. Moi, je trouve que le bonnet, il est déjà assez coloré et quand même déjà bien voyant. Alors, c'était ce que je voulais, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, je n'ai pas vraiment envie de mettre de pompon au bout. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Donc, je vais venir prendre une aiguille à laine, ce que vous avez. Et je vais venir, du coup... finaliser et resserrer mon bonnet, le creux, le cercle du bonnet, comme ça, en venant faire une petite couture, alors légère, hein, comment dire, je tire pas, je viens juste resserrer la fin de mon bonnet avec une aiguille. Pour simplement bah, qu'il n'y ait plus ce trou. Donc je travaille sur les mailles opposées pour venir voilà terminer le bonnet. On va faire un petit nœud. On pourra rentrer le fil. Vous pourrez du coup retourner votre bonnet. Alors moi je vais passer mon fil et mon aiguille à l'intérieur, retourner mon bonnet comme une petite chaussette. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà, je vais faire du coup mon nœud plus à l'intérieur, ça se voit moins simplement. Bon, là je suis sur du noir, donc c'est vrai que c'est pas gênant. Si vous avez pris une couleur claire, il vaut mieux faire les finitions à l'intérieur. Je vais faire encore un autre petit nœud et je vais rentrer mon fil en passant une fois dans un sens, une fois dans un autre et encore dans l'autre sens pour sécuriser mon travail. Et voici, je retire mon aiguille et je vais couper mon fil. Clac. Donc, ce qu'il vous faudra faire, bien sûr,
n'y a pas beaucoup de fils qui traînent, mais il y en a quand même. Il vous faudra bien sûr nouer à chaque fois et rentrer tous vos fils. Et votre bonnet sera donc terminé. Le voici, le joli, joli bonnet vitamine. J'espère que ce tuto et ce modèle vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré le réaliser. Alors là, pour le coup, je me suis fait plaisir avec les couleurs. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Et vraiment, vous pouvez le dupliquer dans les couleurs que vous souhaitez. Je pense vous proposer dans les semaines qui viennent un châle qui va avec, qui sera un petit peu plus discret au niveau des couleurs. Mais il y aura quand même hein, du coup le rappel avec ce... ces sections de couleurs et le noir. Donc je pense vous proposer ça dans une dizaine de jours environ. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas, si vous préférez peut-être une écharpe ou à me donner aussi vos idées si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon crochet et à dimanche pour un prochain tuto. À bientôt.